Apparemment, la Bible fait état de plusieurs réactions. Se résigner à son sort, Coëlète 3, 19, 22. Espérer l'immortalité, Sagesse 2, 23. Penser, nous serons comme si nous n'avions pas été, Sagesse 2, 2. Le choix de la Bible est une foi totale en Dieu. Il est le maître de l'impossible. Il nous fera revivre. La foi en la résurrection s'appuie sur la fidélité de Dieu et sur sa puissance de créateur. Ressusciter, c'est être recréé. À la suite de la foi juive, la foi chrétienne, à la résurrection est le fruit de la foi en Jésus ressuscité. Celui qui a fait revivre son fils fera revivre ses enfants. L'horizon de la vie humaine est toujours la mort, mais la mort comme passage vers le Père. Il ne semble pas que la Bible réponde à la curiosité sur l'au-delà. Ce qu'elle en dit est image et symbole à interpréter. La rencontre avec Dieu dépasse toute imagination. C'est le secret de Dieu.